Bruno Ronce de chez Community, est-ce que dans cette évolution du bureau qui va de plus en plus vers les codes de l'hôtellerie, où on est nourrissant intellectuellement, où on est nourrissant, je veux dire tout simplement en offrant un chouette menu le midi, est-ce que Community qui développe des plateformes, qui développe des outils de confort, est-ce que vous allez nous faciliter la vie quand on va quitter notre domicile privé et qu'on saura avant d'arriver au bureau où se trouve notre place de parking, quel menu on va manger le midi, ce sera sans gluten, dans telle salle de réunion, est-ce que vous allez nous aider? On va essayer. Il fait tout ça. Bravo. Du massage et des massages. Ça, c'est le bonus. Où c'est mon inspiration et j'y crois. Non, mais d'abord, je suis d'accord avec Hamid, on ne sait pas. Ouais. Quand c'est par là, j'ai entendu quelques certitudes autour de la table, donc je sais que je ne sais pas. Et je sais que nous ne représentons pas non plus l'ensemble de la population. Et qu'on est peut-être tous nomades et équipés technologiquement et d'un certain niveau social, et que peut-être que d'autres populations ont des besoins primaires très différents des nôtres. Mais en tout cas, on peut essayer de s'adapter à des tendances profondes de société. C'est vrai que je ne suis pas trop bien placé pour parler mètres carrés et rentabilité, mais parler de l'individu et de son comportement et de ses besoins. Et je pense vraiment que la tendance de fond de la société, on parle de nous en tant que consommateurs, on a adopté plein de codes, hein, les codes du B2C, on commande son repas, son véhicule, son film, envahissent la sphère professionnelle de plus en plus et qu'on vient avec des exigences qui sont plus de consommateurs mais d'utilisateurs, de l'employé comme on dit, qui va imposer à mon avis ses attentes et ses aspirations à son employeur. Et donc lui, il veut de la flexibilité, c'est le mot qui est sorti plein de fois. Il veut pouvoir choisir ce qui lui convient au moment où il en a le besoin. Donc c'est l'instantanéité, à mon avis, de son besoin, égocentré, individuel. Et pour ça, il veut des outils, il veut de la flexibilité, de l'efficacité. Il faut que ça marche. Et ça doit refléter son désir personnel. Et je crois que le devoir des employeurs pour attirer les générations Z, mais attention, pas que, c'est d'offrir justement une panoplie de solutions, de services, comme disait Dirk, qui vont pouvoir lui donner toute cette flexibilité. Et donc je pense vraiment que, enfin je pense vraiment, de nouveau je ne sais pas, mais qu'une des tendances pourra être drivée par l'utilisateur final qui va être de moins en moins tolérant pour un peu d'immobilisme de son employeur. Et là, on était en première ligne avec des grands groupes comme BNP et des institutions publiques. On les voit faire un saut quantique en termes de mentalité, de policy interne, que eux-mêmes freinaient, mais qui sont un peu imposés par le comportement de leurs propres employés. Et ceux qui n'y répondent pas vont se faire déclasser, et le choix des jeunes générations de leur employeur peut être sur des critères non seulement RSE, mais tout ce que vous m'offrez comme menu chinois de panoplie digitale, d'app, d'outils de réservation, de planification pour rendre ma vie la plus agréable possible. Quoi. Donc demain, que ce soit clair, je quitte mon appartement ou ma maison, je fais dans ma voiture, je clique sur mon app et je sais tout de suite quelle place, là où je vais garer ma voiture, à quel niveau dans le garage, proche de l'ascenseur, loin de l'ascenseur. Comment ça va se passer concrètement? On est plutôt sur un modèle le plus mutualisé possible et le plus équitable possible, okay, pour laisser à tout le monde le choix. Par exemple, en début de Covid, ArcelorMittal, quartier général Luxembourg, avec un parking uniquement pour des gens qui avaient une place nominative, senior management, cadre supérieur. Tous ces gens-là étaient en télétravail et il y avait toute une série d'employés, la masse de gens, la majorité des gens, qui n'avaient pas accès à ce parking, mais qui ne voulaient pas prendre le transport public pour des raisons sanitaires. Ben, ils ont fait éclater leur policy, ils sont passés à un modèle totalement flexible d'attribution automatisée des places de parking à n'importe qui. Je ne vous le cache pas qu'il y aura encore des priorités pour certains par rapport à d'autres, mais tout ça est automatisé dans un système d'attribution dynamique. Et en effet, le besoin auquel ça répond, c'est la prédictibilité. On sait à l'avance si une place nous attend, et ça nous permet de répondre à des enjeux sociétaux. Parce que si on sait qu'on a une place de parking, un bureau qui est réservé, etc., on peut télétravailler le matin de la maison et n'aller au bureau quand il faut aller dans ce lieu, après, par exemple, les embouteillages du matin. Et on sait très bien que le matin, beaucoup de gens qui circulent dans Bruxelles, c'est des gens qui cherchent une place de parking, qui essaient d'arriver à l'heure pour la réunion de 9h, etc. Et je crois qu'il y a une transformation de la relation au travail quand travail veut dire aller au travail. Et donc, si on peut avoir un mix, même au sein d'une même journée, d'interdire les réunions avant 11h du matin,
de laisser tout le monde télétravailler et de distribuer le pic de charge, j'ai envie de dire, tout au long de la journée et de les faire rentrer chez eux parce qu'ils savent qu'ils auront l'efficacité d'avoir leur place qui les attend, ben, on peut déjà résoudre une grande partie des problèmes de l'accessibilité dans les grandes villes, j'ai l'impression.